Un petit tour de cartes? Oui. Allez. Alors, voici quelques cartes. Tu en prends celle que tu veux, t'en prends 9. 9. Ah, voilà. Alors. Cinq, six, sept, huit et neuf. Donc j'ai pas pu tricher. Tu as choisi celle que tu as voulu. Tu fais trois tas de trois cartes. Alors je t'explique. Tu vas prendre le tas que tu veux. Tu vas regarder la carte du dessous. Mmh. Tu vas le mettre sur un autre tas et l'autre tas par-dessus. Donc déjà, la première chose à faire, c'est que tu prends un tas et tu regardes la carte du dessous. Si elle ne te plaît pas, tu mélanges et tu en prends une autre. C'est bon? Montre-la à tout le monde. Ouais. Je la mets sur un paquet? Ce paquet, tu le mets sur un paquet. Ouais. Et l'autre paquet par-dessus. Par-dessus. Voilà. Donc pour retrouver ta carte, ça va être dur. Mais j'ai une vieille formule magique que mon grand-père m'a donnée. C'est... Abracadabra. Abracadabra. Donc on m'a dit, si tu veux retrouver une carte, il faut toujours dire la formule magique. Donc tu prends le paquet, tu poses une carte pour le A, A, ensuite B, R, A. Et tu remets le paquet par-dessus. Ça c'est le début de la formule. Maintenant tu choisis un chiffre entre 1 et 9, celui que tu veux. 6. T'aurais pu dire 7, t'aurais pu dire 8, t'as choisi 6. Tu prends le jeu ouais. Et tu fais 6, 1... Vas-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu remets le paquet par-dessus. Maintenant, on va finir la formule. K, alors vas-y. Tu poses une carte pour le C, une carte pour le A, une carte pour le D, DA, B, R, A. Et tu remets le paquet. Donc là, tu es d'accord avec moi que la carte, elle peut être n'importe où. Oui. Tu as choisi 6, tu aurais pas juste choisir 5, 4, 3. Alors, je vais me concentrer. Ta carte, elle est en 7e position. Je vais la faire monter en 6e. Attention. Ça y est. Plus dur. 4e. Ah, j'arrive pas. Elle bloque en 4e. Est-ce que tu veux essayer, toi? Tu passes la main dessus et tu essaies de la faire monter en 2e. Ah oui, bien. Elle est passée? Oui, oui. Recommence, mais cette fois-ci avec la main droite, en première position. Voilà. Donc si la formule magique a bien fonctionné, si nos pouvoirs ont bien fonctionné, ta carte, elle est dessus. Et c'était quoi ta carte? 7 de cœur. 7 de cœur. Ça marche. Bravo. Alors ça, c'est fabuleux. Vous prenez n'importe quelle carte, vous les mettez dedans, vous faites des paquets, et après, une formule magique, et ça fonctionne.